Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour la séance 9, la séance de la salle banane. Aujourd'hui en matériel vous aurez besoin d'un mur, d'une porte, d'une poutre, peu importe, d'un rouleau de massage ou d'une gourde, d'un élastique, d'une brique ou une autre hauteur, un poids et une plateforme bleue. C'est ça la plateforme bleue, vous savez, c'est des petites plateformes un petit peu instables. Mais si c'est une serviette, par exemple, vous pouvez prendre une serviette de bain que vous roulez. Je vais baisser un tout petit peu le son parce que j'ai peur de crier un petit peu. Voilà, j'espère que vous entendez assez. Et on est parti pour l'échauffement du jour. Alors, sur la plateforme ou sur la serviette, vous allez venir mettre vos poignets un peu comme ça. On va venir renforcer un petit peu les poignets. On fait des petits mouvements en avant, en arrière. Un petit peu en descendant, dans l'autre sens, en avant, en arrière. Et après, on met les poignets dans l'axe. On fait pareil, en avant, en arrière. Sur le côté. Un petit peu à plat. On va prendre un petit peu quelques appuis, parce qu'on a quelques haltères à faire. Ok. C'est une séance qui va être... surtout sur les courbes. On n'a pas encore trop fait, donc un petit peu les abdos, on va pas mal solliciter les abdos. Donc on va venir échauffer un petit peu les abdos en faisant quelques rameurs. Une dizaine, hein, pas plus. Hein. Ok, le chameau avec la bague. Alors le chameau, c'est celui-là, vous savez, où on pousse là devant. On va échauffer un petit peu le bassin, ça va tirer un peu le dos. On va venir tirer un peu sur les côtés. De côté. Ok, on fait un peu la vague. Alors bien sûr, vous serrez vos genoux, vous savez très bien que je peux pas le faire. Et dans l'autre sens. Ok, et juste pour les épaules, les échauffer un peu, on va faire des cercles vers l'arrière. Et vers avant. Ok, si vous avez besoin d'un peu plus vous échauffez un peu plus, il n'y a pas de souci. Alors, pour le premier exercice, on va lever 20 fois le haut du dos, cette partie-là. On va maintenir 20 secondes. Après, on va venir lever 20 fois les jambes. On va maintenir 20 secondes. On lève 20 fois les deux. Même pas. On reste 20 secondes en cuillère. Et après, on fait 10 balançoires. Et bien sûr, on essaie de mettre les bras aux oreilles. Essayez d'aspirer le ventre quand vous remontez et pas de faire tout sortir. Le but, c'est d'aspirer le bas du dos. Si votre dos il creuse beaucoup trop, vous venez plier légèrement les jambes pour rétroverser le bas du ventre. Je préfère que vous ayez les jambes un peu pliées, mais que le bas du ventre soit vraiment rétroversé pour que ça fasse une belle position de courbe, plutôt que vous ayez les jambes tendues avec le dos creux. Et on tient.
Maintenant pour le bas des jambes, je sais très bien que si vous faites comme ça, hop, ça va faire forcer le dos. Vous allez être comme ça, du coup c'est pas des abdos qui vont forcer, c'est le psoas. Donc vous allez vous mettre vous sur les coudes. Et on est parti. Là par contre on essaie de relever bien les jambes tendues, on rétroverse bien le bassin. Allez, on tient. Ok, attends, je vais ouvrir un peu plus grand volume parce qu'il fait super chaud. Et je peux pas aller dehors, il pleut. C'est tout trempé. Allez, 20 pompes de cuillère et après 10 balançoires. Moi, je vais en chier cette série, mais bien. Vous essayez de mettre vos mains, vos bras aux oreilles. Ça fait trop forcer dans le dos. Vous pliez un petit peu les jambes. Et voilà une belle courbe. Hein. Ok. Les balançoires, excusez-moi, je les ai oubliés. Alors, celles-ci vont être dures, je le sais. N'hésitez pas à bien rétroverser le bassin. Et c'est parti. Sur le côté, vous allongez sur le côté, une jambe par-dessus l'autre, la main devant la poitrine, et là on va venir lever tout le dorsal. 20 fois. Et on tient le plus haut possible. Ok, les jambes. Ok, on maintient les deux. Et du balançoire. Ok, sur le ventre. Allez, 20 fois on essaie de lever jusqu'aux côtes. Thank you.
et on maintient. On tend les bras. Ok, les jambes. On maintient. On serre les pieds entre les jambes. Ok, on va maintenir les deux. Les deux en l'air, bras à jambes 20 secondes et après 10 balançoires. Balançoire. Allez, c'est parti. Et on maintient le plus haut possible. On est décollé l'épaule. Hein. Ok, les jambes. On tient. Ok, les deux ensemble. Et on balance. Ok, donc pour la série, première série courbe, c'est terminé. Maintenant, la série de gainage que vous aimez bien. 30 secondes sur les coudes, 10 montées sur les mains, 5 de chaque côté. 30 secondes de gainage sur les mains, 30 secondes de gainage main droite, 10 mouvements de hanche, 10 mouvements de bras. Un nouveau où on va venir s'enrouler et se dérouler 5 fois. Gainage dorsal, pareil main gauche. Et après, un gainage, les oscillations du bassin. Vous êtes prête? Je vais chercher un chrono. J'ai récupéré mon chrono, on est parti pour la série de gainage. Allez, vous êtes prête? 3, 2, 1, c'est parti!
5 fois sur la main gauche. Et 5 fois sur la main droite. Elle est repartie pour 30 secondes. Allez, 10 secondes. Allez, sur la main gauche. Allez, 10 jambes. La hanche. Et le bras. Ok, dorsale, c'est parti. Allez, sur la main droite. Allez, on a fait plus de la moitié de la série, c'est bien ici. La jambe. La hanche, le bras, ok, sur les coudes et les 10 oscillations. Ok, super les filles. Maintenant, on va terre contre le mur, en courbe arrière, on va aligner les épaules. Je vais vous faire de profil, je vais essayer. 3 fois 10 secondes, je crois c'est. Ok. Et là, viens ouvrir les épaules. On se rendit. Et on revient. Et on fait 3 fois. Je plie les jambes pour tout ce qu'il y a les poutres.
Allez, dernier. Ok. Ensuite. Contre le mur. Ah ouais, alors celui-là, c'est là où on a besoin du poids. Vous allez vous mettre comme en chandelle. Hop. Vous allez venir mettre les pieds contre le mur, serrer les fesses, et là, on ramène 30 fois. On essaie de se passer en coupe, hein. Pas comme ça, ni comme ça. Hein. Ok, ensuite on peut descendre. Ok, alors celui-là, je sais pas trop encore où je vais le faire. Je vais peut-être le faire là. Je réfléchis. Ok, donc j'ai grandi un peu l'angle de vue. Je vais essayer de viser à côté du miroir. Vous venez. En équipe, courbe arrière, les mains comme dans votre flip, ou sinon vous en faites 5 d'un côté, 5 de l'autre, comme vous voulez. Ok, là je suis bon. Main en flip, hop, je reviens, boum, dynamique, je tire 10 fois. Alors là, surtout sur celle qui ferme les épaules, placez-vous bien en courbe, grandissez, restez grandi jusqu'au bout. Là, surtout, vous ne fermez pas les épaules, vous venez vous grandir à fond, et boum, on revient dur. Je crois que j'en ai fait 10. Ok, exercice suivant. Vous allez mettre vos genoux sur le rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, vous prenez une gourde. Si vous n'avez pas de gourde, vous prenez des briques, peu importe. Hop. Et là, vous allez venir monter en courbe avant.
Vous essayez de monter. Et tenir 10 secondes. Ok, je vais m'avancer un tout petit peu pour essayer de tendre les jambes. Vous êtes prêts à la deuxième série? Ok. Et la dernière série? Ok. Maintenant, on va en faire un. Je vais voir si je suis encadrée. Alors, on va faire un. Là, il faut que vous accrochez votre élastique sur une hauteur. Donc, moi, je vais l'accrocher sur une poutre, mais vous pouvez l'accrocher sur une porte. Vous pouvez l'accrocher sur une branche d'arbre si vous voulez. Vous allez mettre les poignets. Alors, vous vous mettez sous votre point d'accroche. On est d'accord avec ça? Donc moi mes pieds ils sont sous ma poutre. On tend les bras. Et là, on reste en courbe avant et on vient juste appuyer un petit peu dans les épaules. Pendant 30 secondes. Ok, maintenant le dernier qui va être un peu plus dur à mettre en place. On en voit. Là, le but c'est de mettre les pieds dans l'élastique et de tenir en courbe avant, comme si on était en équille et qu'on faisait une descente de soleil. Donc, je vais essayer de mettre dans mes élastiques. Peut-être que j'ai pris un élastique un peu trop raide. Du coup, ça a l'air hard. Je sais pas, on va voir. Oh là, je vais être en courbe arrière. Faut que je fasse demi-tour. Alors, ça marche pas. Mon élastique orange, il était trop raide. Donc, j'ai mis un jaune. Ça va être le même processus. Et du coup, je mets mes mains à la pointe de la poutre et je laisse tourner mes jambes. Et normalement, c'est 3 fois 10 secondes. Ok, je vais faire les deux fois. Grandissez-vous bien dans les épaules. Et on va se faire une dernière fois. Ok, donc maintenant on va passer aux étirements. On va faire 30 secondes d'étirement ischio.
comme ça. L'autre jambe. Ok, maintenant les mollets, vous prenez soit une brique, soit une plateforme, soit une petite hauteur quoi. Premier, vous allez mettre vos pieds en canard. Et vous allez vous étirer les mollets simplement comme ça. Si c'est passé, c'est un petit peu mou. Alors je vais mettre sur les briques, pieds en canard. Pendant 30 secondes. Ok, maintenant vous allez mettre les pieds rentrés, les pieds en dedans. Normalement, ça devrait vous étirer les mollets, mais pas au même endroit. Ok, maintenant pour le dos, on va se mettre en charrue. 30 secondes. Et vous allez descendre tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et vous pliez les jambes à la fin. Et vous venez poser les jambes délicatement. Ok? Ensuite, là je finis après, on va faire les quadriceps. Alors, soit vous les faites allongés sur le dos comme ça, les quadriceps, vous calez votre jambe en dessous, vous étirez, ok. Soit vous les faites debout, comme ça. Pensez à rétroverser le bassin.
Ok, l'autre. Ok, et le dernier étirement, c'est celui du psoas. On va le faire sur une table. Alors, vous allez... Moi, je vais utiliser le psoas gauche en premier. Vous mettez sur le bord de la table. La jambe gauche, vous la laissez tomber dans le vide. Vous allongez sur le dos. La jambe droite, vous la ramenez vers vous. Et vous laissez tomber la jambe gauche. Si elle ne tombe pas assez, c'est que vous n'êtes pas assez au bord de la table ou pas assez sur le côté de la table. Ok, on passe à l'autre côté. Hop. Ok, laisse-moi couvrir. 30 secondes, s'il te plaît, appuie. Alors moi, vous avez vu, je mets du poteau de la table pour venir tirer un peu plus la jambe vers le bas. Si... La photo de la table, ça ne correspond pas ou quoi, vous pouvez demander à quelqu'un de venir en gros appuyer sur la jambe que vous ramenez vers vous et tirer sur la jambe du bas. Et bah c'est tout bon pour la dernière séance de la troisième semaine. Bonne chance les filles !